Salut! Salut! Aujourd'hui, on est avec Morgan VS. C'est moi. Qui est venu nous rendre visite pour une question con très particulière. Et ouais, lors de ma vidéo sur l'eau de vie, Ludo m'a dit que ça faisait longtemps que vous voulez savoir si on peut démarrer une voiture avec de l'alcool. Du moins avec autre chose que de l'essence, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et du coup, il y a un abonné qui a répondu, qui a dit si vous voulez essayer de faire démarrer un moteur, essayez avec une tronçonneuse, ça coûte moins cher. C'est un de tes abonnés en plus. Ouais, un de mes abonnés. Ils ont l'idée. J'en ai 6 et ouais, c'est mon petit là qui démarre. Du coup, on a avec nous une tronçonneuse et on a plusieurs choses à essayer pour essayer de la faire fonctionner. Donc, en premier lieu, de l'essence classique, pour voir déjà si elle marche normalement, si tout se passe bien. Deuxièmement, on va essayer avec de l'absinthe à 89,9%. Je suis grave chaud pour goûter en vrai. C'est pas le... Moi je suis vraiment pour ça. Ouais, ouais. Moi, c'est ça, pas une dégustation. Fous, hein. Moi je m'en fous de ça, c'est vraiment... Et en dernier lieu, on a de la vodka c'est à bon, 40 degrés. Hein. La voici. Basique. Basique. Bien entamé hein, déjà. Oui, déjà, ouais, c'est vrai qu'on va pas montrer la bouteille ouais. Comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va couper? Je te le demande. Justement. Plus d'idées. C'est les deux nouveaux bouquins qu'on sort cette année, donc ils sont déjà sortis, ils sont dispo dans vos meilleurs marchands de journaux et de livres. Donc il y a le premier, Les questions con, volume 2, qui est exactement le même que le volume 1, juste on a mis un 2 dessus. Il est rouge, il est rouge. Et pareil pour Maintenant tu le sais 2, donc c'est comme le premier Maintenant tu le sais, juste il est jaune et il y a 2 dessus. Je peux lire une question au hasard, j'ouvre le truc. Qui a inventé le papier toilette? Voilà, tout le monde se le pose. Ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille dessus, donc c'est nos petits bébés, donc on est super content de vous présenter ça aujourd'hui. C'est beaucoup de travail, on espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, ça nous a plu le faire. Du coup, on va pouvoir commencer. On va essayer de faire fonctionner cette tronçonneuse avec autre chose que de l'essence. On va découper ces petits livres. Peut-être qu'on vous les fera gagner. Je pense que ça peut être une bonne idée. En tout cas, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Premier test, on va le faire avec ça. Hein, c'est essentiellement de l'essence, quoi. Un mélange de temps pour tronçonneuse. Je vais remplir ça déjà. Boum. Il y a de l'essence, le livre est prêt? Le livre il est prêt, toutes les conditions de sécurité sont remplies. À base d'essence toute simple, normalement il devrait démarrer. Oh, oh on ne l'entend pas du tout. Oh, 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 mec, oh mec. Oh tenez le truc, faut le tenir là, voilà, là. Ouais. Que la gueule. Ok. Que la gueule. Le mec. Oh, ça pue. Oh mon dieu. Du coup, un an de taf d'écriture pour ça. Oui, exactement. On est d'accord là-dessus. Bon, mais déjà, on est d'accord qu'avec de l'essence, ça marche. Une grosse pensée à la maison d'édition qui vient de faire l'AVC. On a encore 25 livres, plus ou moins, à couper là maintenant. On va s'y mettre. C'est parti. Le prochain coup, c'est. C'est excellent. À l'absinthe. On va la vider. On essaye de la faire tourner à l'absinthe. Bon, on a vidé le réservoir de la tronçonneuse. Il est vide. Par contre, il en reste un peu dans les tuyaux, dans le moteur, comme on dit, dans le moteur. Ce qui va nous permettre, en gros, d'allumer sur la tronçonneuse, ça c'est sûr. Et puis après, voilà, on va la faire tourner à vide. Ouais. Et après, ça n'a plus que de l'absinthe, voir si ça marche. On rappelle, l'absinthe à 89,9. En gros, comment marche un moteur en général? Alors là, on va parler d'un moteur à essence et ouais, de temps. Pas voilà. Plus, ouais. En gros, il y a une chambre avec un piston, d'accord. À l'intérieur, il va rentrer de l'essence avec de l'air. Et ça, après, ça va être enflammé par une bougie. Ça va pousser le piston. Et quand il va revenir, du coup, hop, l'échappement va se faire. Donc l'intérêt, c'est qu'il faut quelque chose qui brûle et qui plutôt soit détonant. Et donc, on pense que de l'alcool très très fort, vu que ça brûle. Oui, d'accord. On l'a fait. Ouais. Bah ouais. Ça peut marcher. Ouais, une petite question. Est-ce que l'absinthe à 90, on peut la goûter d'abord? Wow. Ah, ça fait beaucoup là, non? Oui, mais bois pas tout. Hein. On va pas se cacher. Non. On n'est pas trop loin. Mais tu veux pas te rapprocher juste pour cette séquence Mais il a tout bu. Il a tout bu. T'as tout bu? Mais oui, mais regarde-le. Allez, alors dites au revoir à Morgan. Il est en train de cracher du sang là. Ça fait du bien ça, vraiment ce que tu fais. Oh, mais mec, t'as l'air en sueur. Mais oui, là, il est. Là, d'un coup, il est. Ah ouais, c'est fort, c'est très très fort. C'est de l'essence, frère. Ah, tu reviens de loin. Je suis pas sûr de. Mec, tu bois du feu. Allez, c'est parti, on remplit. Ça suffit, je pense. Hein. Bon, c'est rempli à l'absinthe. Bon, maintenant qu'on est complètement bourré, on va utiliser une tronçonneuse. Par contre, petite précaution, évidemment, on a l'instincteur. Hein. Et faites pas ça chez vous, hein. Mettez pas autre chose dans les moteurs que ce qu'il faut. Hein. Faites pas les cons. C'est mis on, mais c'est très courageux. Oh, oh attends, mais là, elle démarre. Elle est sur l'essence. Là, elle est sur l'essence encore. Là, elle arrive sur l'essence. Tiens, quelqu'un, ça va exploser. Mais non. Tiens, Morgane, tu coupes ta vie. Allez, Morgane, tu coupes le livre. Tu fais rien depuis le début. Comment je fais? Vas-y, viens avec. Non, on n'est pas très près, moi, je suis bien loin. Non, mais. Non. Oh non. Et on va aller loin. Donc. Ouais, ouais, vas-y, d'aller. Tourne. Mais arrête de bouger. Ouais, dès que tu veux la faire. Ouais, voilà, c'est ça, elle s'enraye très vite. Parce qu'en fait, je pense qu'en fait, ça peut marcher au ralenti, mais dès que tu veux accélérer. Ah ouais, ça n'a pas la puissance nécessaire. L'alcool n'a pas la puissance pour accélérer. Ça sent l'absinthe, frère. Ça sent le sucre. Ça sent l'absinthe. Voilà, waouh. Elle piquette. Waouh, elle me fait peur. Moi, je joue plus avec ça. C'est bon, elle est enclenchée déjà.
Ah ouais, dès que tu veux l'utiliser, ça cut en fait. Mais en fait, bonne nouvelle, elle démarre. Déjà, elle démarre. Ça, ouais. Franchement, elle tourne. Est-ce que ça veut dire que genre une voiture, genre on arriverait à la démarrer avec de l'absinthe, mon père parlait avec. Je pense que typiquement oui, parce que quand tu demandes est-ce que elle roule, ça accélère en fait les pistons et donc il faut beaucoup plus de puissance. Et clairement, l'absinthe, elle n'y arrive pas. Par contre, là où on pourrait tester. C'est est-ce qu'on peut la démarrer à la vodka. Du coup, je me suis fait chier à visser un livre pour rien. Pour rien, ouais. Bah, ouais, mais après, on le redécoupera si tu veux pour ton plaisir. On remettra l'essence. Moi, j'espère que ça va marcher parce que si ça marche pas, ça veut dire qu'on envoie tout ça à l'abonné qui le garde. Vous gagnez les bouts de bois avec quoi. Allez, ben on fait quoi. On vide et on met la vodka. Ouais. Déjà, j'ai vidé l'absinthe. Il y en a plus. Quoi. Et maintenant, maintenant, on va remplir à la vodka. On goûte aussi ou pas avant. Ah, du coup, la vodka. Allez, on goûte la vodka. On goûte la vodka. Pour moi, faut la goûter parce qu'on sait pas si c'est la première. Vas-y. Goûte. Tu sais, on dirait des trucs russes là où les mecs ils boivent, ils ont des tronçonneuses. Là. Et on boit et après on se met des patates dans la tête, frérot. Attends, je vais t'aider. Au poppers, putain, on aurait dû essayer du poppers. Au poppers. Allez, allez, allez. Quoi. Quoi. Oh. Attends, c'est le reste d'absinthe. Là, c'est le reste d'absinthe encore. Ça sent la liste. T'approches pas trop. On va la laisser tranquillement sur le reste d'absinthe. Elle tourne au ralenti. Et quand elle va passer à la vodka, on va voir si ça tient. Allez à la vodka. Wow, pose-la. La tête de ma mère, les gars. On a vraiment vu si le tatou c'est des vrais potes. C'est que dès qu'il y a une chance, il y en a tout le monde à courir. Ouais, tiens pas le ralenti, même pas. Donc, ça marche pas avec la vodka. Et du coup, maintenant, on va essayer avec la vodka et la moto. Ouais, alors. À Franck. Merci, Franck, de nous laisser ta moto. Du coup, on a la réponse à cette question con. Il est donc possible de démarrer un moteur avec autre chose que de l'essence et notamment de l'alcool fort, comme on a essayé aujourd'hui. Très, très fort. Mais voilà, les compétences de l'appareil ensuite sont limitées. Non, et à la vodka, par la vodka, contre, ouais. C'est mort. C'est rien pas se passe. Et au fait, pour ceux qui se demandaient pourquoi aussi on n'est pas à 5. On n'a pas entendu la phrase. Pour ceux qui se demandaient le fait qu'on soit pas à 5, là, on a que 4 micros, désolé. Pas de micro. Ok. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a vidé la tronçonneuse de la vodka qui restait, puisque ça marchait pas. C'est n'importe quoi cette phrase. C'est n'importe quoi. On a remis un truc normal, genre de l'essence spéciale de temps, qu'on va redémarrer parce qu'on veut quand même un petit peu s'amuser et découper des livres pour pouvoir vous les faire gagner. Pour ça, suivez-nous sur les réseaux, on vous les fera gagner sur les réseaux sociaux seulement. Allez, vas-y. Ça l'a pris. Oui. Ok. Là, tiens là, va. Voilà, on vous fait gagner tous les livres découpés. En vrai, on vous en enverra aussi des pas découpés. Ouais, quand même. Ça, quand c'est même. Juste pour sinon, le, c'est vraiment pour le style, c'est un peu un cadeau. Parce que c'est fait pour lire, hein. C'est pas juste tu reçois les moitiés. On vous les signera. On vous les signera. Donc ils sont en vente un peu partout. Morgan, merci d'avoir été avec nous. Ouais, Morgan, merci. Vous pouvez aller sur sa chaîne. J'étais grave content de venir ici. Et sur ta chaîne, il y a une vidéo où tu te bois la gueule avec Hugo, et une vidéo où tu te bois la gueule avec moi. Il y a que ça. Une vidéo qui sort jeudi où je bois de la bière au vagin. Et ça, c'est pas négligeable. En tout cas, si cette question qu'on vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, et surtout. Et surtout, abonne-toi!